Merci pour toute ta assistance. On s'est vu à notre temps. D'entrée, je dirais que je ne suis pas linguiste. Je ne suis pas linguiste, tout le monde le sait. Mais je suis aniforme. Profondément aniforme. Et suffisamment observateur. J'ai fait aujourd'hui 53 ans dans le Burkina où la langue la plus partagée là-bas, c'est le Batono. On dit habituellement le Bariba. Je ne parle pas Bariba, mais il m'arrive de capter des mots. Et par rapport à ça, je me réfère à l'histoire que nous avons eue, nous, les enfants de Bassina, pour dire que notre histoire dit qu'il y a eu un apport important de la colonie Bariba à Bassina. Ce qui fait aujourd'hui que Atiba II qui est là, il est d'origine Bariba. Tous les princes de Bassina sont Bariba. Les trois maisons royales de Bassina sont Bariba. Ce n'est pas le colonel qui va me démentir. Il peut me démentir, mais en tout cas, ils sont d'origine Bariba. Alors, ce faisant, quand j'entends les Bariba parler entre eux, je sens des consonnes, sinon même que des mots entiers. Quand je fais le rapprochement avec mon ami, je me dis, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas eux qui ont versé ce mot que moi j'ai pris? Heureusement que quand nous on prend un mot d'une langue donnée, on en a discuté d'ailleurs toute la matinée, quand nous prenons ce mot-là, on aniphonise ce mot-là. Nous prenons un mot en yoruba, tout de suite, on le met dans une marque de classe qui fait que ce mot-là, si vous ne faites pas attention, vous ne serez pas clair. Ma chérie est à côté de moi. La véranda en yoruba se dit Dédé. Quand Dani a pris, parce que quand ils sont arrivés en grande colonie, les yoruba, Dédé. Dani a pris le mot Dédé pour lui, il a dit pour Dédé. C'est comme ça que vous retrouvez ces mots. Les mots Bariba, les mots Bartolon. Et tout de suite, quand le Ali prend son mot, il le met dans une marque de classe qui le fait changer d'aspect. Mais quand vous êtes observateur, vous vous rendez compte que le radical de ce mot-là vient certainement du Bariba. Je répète que je ne suis pas linguiste, je suis tout simplement observateur. Nous avons par exemple, à mon avis, des mots célèbres comme Wanaou, c'est sourd. Wanaou, c'est sourd. Waharu, ça veut dire la vie. Or, en Anani, la vie se dit Nguro. Waharu, Nguro. Et le Ani va vous dire la même phrase, Nguro, c'est sourd. Le Bariba dit Waharu, c'est sourd. Le Ani va vous dire Nguro, c'est sourd. Le mot a été tout simplement que tu peux changer parce qu'on lui a mis le con pour en faire un mot Ani. Nous avons des termes comme Nanyina. Le Bariba dit Nanyina, j'ai refusé, je refuse. Le Ani a pris ce mot pour dire Na. Na. Parce que quand vous voyez un enfant de 3 ans, 5 ans, à notre temps, hein, c'est pas ceci-là, les gens de la télévision maintenant. Quand le petit de 3 ans, vous voulez lui prendre son gâteau, son bonbon, il vous fait ça, il fait comme ça. Na, ou bien vous faites ça de vieux bras, vous dites quand il se fait ça, c'est Na, je refuse. Ça veut dire Na, veille. Na, veille. D'où Na, veille. Parce que ceux qui sont venus s'installer là au bord de la grande voie ont refusé de rester comme lui les resté sur place. Alors, vous voyez dans le décompte. De 1 à 5, en Bariba, le Bariba dit Tia, Yuru, Ine, Ita, Ine, Nobu. Tia, Yuru, Ita, Ine,
nombre. Quand vous prenez les 5 premiers chiffres, quand vous les triez, vous allez trouver le aliforme a mal compris le hirou qui veut dire 2. Elle l'a transformé en 3 et ça donne le hirou 2 de Bariba donne hirou. Andani. Le 4 du bâtonnon iné donne ina. Andani. Le 5 mambo du bâtonnon donne et nous. Andani. Parce que je vous rappelle ici que nous prenons ce mot et nous mettons tout de suite une marque de classe pour le changer. On en fait notre mot. Il y a la marque du pluriel en Bariba. La marque du pluriel en Bariba, c'est ba. Ou dit nombreux, ou dit il. Il, troisième personne du pluriel. Les gens de Panela vont vous dire Baba. Le bâton va vous dire Baba. Et l'homme de Panela va te dire Baba. Ba. Oublie, c'est pas ça. Baba. Qui veut dire les pères, les personnes âgées. Baba. Le bâton va te dire Baba. Dans la conjugaison, la troisième personne du pluriel, le bâton va vous dire bah oui. Ils sont en train d'arriver, ils arrivent. Le aniforme va vous dire bateau. Troisième personne du pluriel, bateau. Troisième personne du pluriel, ambariba, ba. Oui. Il y a une certaine similitude dans certaines phrases. Quand vous écoutez le bâton parler et que vous êtes à l'uniforme comme moi, vous vous demandez quelque part, est-ce que certains mots ne sont pas venus se mettre dedans, il n'y a pas des radicaux qui ont été changés. Le bâton va vous dire, il y a mon dimon, il y a mon dimon. Ça me fait mal. Le aliphone va vous dire et de mamou. Tout le monde dit mon et de mamou. Tout le monde dit mon et de mamou. Ou bien le bâton va dire qu'a dit maman. Je vous dis toujours, ça me fait mal. Et de mamou. Le bâton va vous dire et menama. Et menama. Le aliphone va vous dire. Et manma. Imenama. La nouvelle va vous dire manma. Rassemblez-vous, mettez-vous ensemble. Dans le vrac, maintenant, on va trouver des mots qui sont typiquement, qui n'ont presque même pas changé de prononciation. Toko. Toko, c'est le bâton, c'est la chemise. Donc, c'est la même, le même terme que nous appelons un uniforme. Bente, le casque sexe. Tewoto, vous dites la culotte, le pantalon. C'est la même prononciation en ami. Le fil cru, quand les femmes tissent le coton pour en faire du fil, il y a un fil d'abord qui est d'abord cru avant qu'on le rende plus fin. Le Bariba l'appelle Sovou. L'aniforme l'appelle Sovou. La danse des jeunes filles au clair de lune. Le Bariba l'appelle Kobi. L'aniforme l'appelle Kobi. Kobi, il n'a que rien. Quand une chemise va bien avec son propriétaire, on dit c'est très beau, boula. Boura, vous dites que c'est bien beau. La même prononciation en Nani. Boura. Akare de Boura. C'est non.
je trouve mon garçon tient quelque chose qui est très joli avec lui. On est pas un peu mou. Il est pas un peu mou. Qui vient dans une femme pour apprécier ce que vous faites, tout bien ce que vous tenez. Qui dit que c'est en forme, que c'est beau. C'est même, la même prononciation en Bariba. Quelque chose est un qualificatif. Ça qualifie quelque chose. Alors, vous allez voir, le petit enfant en Bariba s'appelle Bi. Le petit enfant en Ali s'appelle Bi. En Ali, c'est Oupi. Parce qu'on a mis une marque de classe, on a changé la consonne de B en P. L'aîné, le grand frère, en Bariba, c'est Ouono. En Ali, c'est Ouono. La vache, en Bariba, c'est Na. En Ali, c'est Anna. Ama, en Bariba, ça veut dire mais. En Ali aussi, ça veut dire mais. Ama. On parle, on dit mais. Non. C'est la bouche en Bariba. Vous avez trouvé le même mot qui veut dire en Ali pour dire ça, non? On est à mis une marque de classe. Tokerete. Bref. La même prononciation en Ketere. Tokerete Nike, d'abord le Ketere. Tokerete da, Ketere da. Tokerete da, Ketere da. Ou bien, et les mots se retrouvent en Ali, en Bariba et en Ali. La jeune femme du roi, quand le roi est installé, il attend les jeunes filles, il en fait des jeunes femmes, c'est Sinani. C'est un terme Bariba qui dit Sinani, et en Ali aussi c'est Sinani. Akadjala. Akadjala, on est dans Sinani. Ça n'existe plus parce que dans l'histoire, c'est avec le roi Gomina que ça s'est arrêté par rapport à l'évolution au développement de l'islam. Sinon, avant, au départ, il y avait des Sinani, des jeunes femmes prises par le roi et son organisation. Sinani, on est. Le canari en Bariba se dit beau. C'est moi, on dit Gabo. Tobo, en Bariba, ça veut dire Nani, du Tobo, du Pubis, pas avant. Du Tobo, du Pubis, c'est pas avant. Alors, il y a un terme qui est revenu même beaucoup ce matin ici. Thème, en Bariba, on dit Athéna. Le sol, la terre, Athéna. Thème, l'enfant du pays, l'enfant de la terre, l'enfant du terroir. On a dit Athéna. Au sol. Le cours. Alors, il y a, comme vous avez trouvé en Bariba, un mot qui est un verbe et qui ressort vice versa, qui ressort en Ali, être un mot, il n'est pas verbe, il est tout simplement un mot. Ou bien il est un verbe en Ali et il ressort un simple mot. En Bariba, vice versa, vous allez trouver, par exemple, dom,
Donc, Bariba, on a dit Domo. Domo. Domo, c'est un verbe où dit de prendre du feu, allume. Oh, le mot Dom, en Bariba veut dire feu. Domo, on a dit, où dit je prends du feu, ça allume. C'est un verbe chez nous, mais c'est un mot simple en Bartolon. Où dit donc le feu. Je suis dans un quartier qui est juste à côté de moi, qu'on appelle donc par le quartier où on allait chercher le feu. Mm-hmm. Alors, c'est comme ça que vous prenez le mot O, en Bariba, qui se dit Nim. En allant, on dit Nim, Nim, Nim. Nim, O. Mais vous allez retrouver un ami où on dit on boit. On boit quoi? Vous allez trouver un verbe en Bariba qui dit saut. Ah oui, saut. Je vais vous donner un coup de poing. Je vais frapper avec un coup de poing. Oh, un ami, c'est un mot qui dit saut. Saut, c'est ça, saut. Pour le point. Donc, voilà quelques mots que j'ai collectionnés, mais je m'en vais finir avec les interjections. Kai. Kai. La même interjection qu'on a chez vous ici pour dire avant, ne fait pas. Et quand vous multipliez Kai Kai, ça donne ce que les fonds désignent des gens du Nord, ceux qui disent Kai Kai, parce que le peuple est tenu derrière le peuple, je dis Kai. Kai. Et c'est de sobriquer le foie à transformer ça pour dire les gens du Nord sont des kai-kai. Et c'est la même interjection en Bariba qu'en ami. Gasse, qui fait comme un regret. Ah. Gasse, c'est le même terme que en ami. Calambari. Quelque chose de prétentieux, quelqu'un de prétentieux. Abba, c'est le même terme que nous employons chez nous ici. Ouais. Agnaba. Jam. Bonnet. Voilà un petit peu ce que j'ai pu collectionner. Je crois que si on pouvait être plus long, je resterai, mais j'ai pu arrêter là. Pour vous donner une. Merci.